Et donc, quelle vision que tu portes sur le milieu dancehall local à l'heure actuelle? Ben, tu as bien dit le milieu dancehall local. Ben, franchement, ce qui est encore déplorable, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la nuance entre dancehall et one drop. One drop, c'est reggae, quoi. Ouais. Donc, effectivement, la dancehall est très présente ici, quoi. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment très présente. Et les textes ne sont pas aussi profonds que les textes reggae, quoi. Tu vois, donc, moi, je milite énormément pour le reggae. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de reggae sur les ondes, voilà. Il n'y a pas suffisamment de textes conscients. Il y a beaucoup de choses pour faire danser les gens, mais pas suffisamment de trucs pour éveiller la conscience des gens. Je ne dis pas que nous sommes des prophètes, tu vois. Franchement, dire ça, ce serait vraiment prétentieux, ce serait vraiment tout ce que tu veux, ouais. Mais je pense que le travail qu'on fait, il y a une certaine sensibilité qui passe à travers nous-mêmes et qu'on veut faire passer à travers le public. Donc, ce travail-là, on ne le fait pas pour rien. Donc, il faut que les radios suivent, il faut que les peuples suivent, etc. Et qu'il y a encore une certaine réticence par rapport au reggae en local, parce que les gens ils ont une certaine vision bien précise qui n'est pas forcément la bonne. Yeah. Par rapport, ils assimilent beaucoup, bon, reggae à Rasta, c'est un peu normal. Yeah, yeah. Mais les Rasta, ils ne sont pas toujours bien vus ici, quoi. Ouais, du moins. Non, moi, je dirais que, ouais, à une époque, ouais, tu vois. Maintenant, ça commence à venir, parce que je regarde le concert du Parc Floral qu'on a fait dimanche 16 juillet. Il y a quand même eu pas mal de familles là, pas mal de personnes avec leur gosse, tu vois. Donc, ça veut dire que le mouvement Rasta, comme tu dis, reggae musique, ça commence vraiment à... Non, en fait, je parlais surtout au niveau des radios, quoi. Ah, au niveau des radios, radio, okay, ok. Ouais, mais bon, je même pas mêler, Vincent, quoi, fais ce qu'il y a là. Donc, en fait, ce qu'il y a là, aussi, même mieux mêler, nous ne pas mêler. De toute façon, donc, le message y passe, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que... Comme j'explique, le message il va passer. C'est-à-dire que nous, on va arriver dans une manifestation quelconque, tu vois, on va prendre le micro, on va parler, on va dire ce qu'on a à dire. Okay? Maintenant, le problème, le gros problème, c'est de savoir que la radio a un pouvoir énorme d'écoute. Tu vois, un son qui passe aujourd'hui en radio, ne serait-ce qu'une fois, peut-être écouté par, je ne sais pas, 80 000 personnes, ne serait-ce que ça, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Le message il est passé, c'est plus large. Alors que tu vas dans une manifestation, tu chantes pour 1000 personnes, 1500 personnes, bon, voilà quoi. C'est toujours ça, mais il y a plus grandement à donner. Quoi. Ouais. Et sinon, tu t'es lancé à une époque dans l'organisation de son système, tu trouves que c'est quelque chose qui manquait ici? Ouais, mais ça manque. Ça manque. Ça manque énormément, je ne sais pas pourquoi. Mais là, ça recommence, parce que bon, tous les week-ends, sincèrement, tous les week-ends, il y a des sound systems, mais il y a de ça 2 ans, ben franchement, il n'y avait pas de son, toi-même tu sais, ouais, il n'y avait pas de son. On avait Bingy, son Bingyman qui n'est plus, et Indica qui fait le travail, Art and Spirit. Il y a d'autres sons encore, mais ils font très peu de choses. Pourtant, la scène locale, elle est bien fournie, comment tu peux expliquer ça? Non, je peux expliquer ça. Franchement, je peux pas expliquer ça. Moi, je veux dire que c'est peut-être par rapport à la violence, et encore, je ne dirais même pas que c'est par rapport à la violence, parce qu'en sound system, quand tu viens en sound system, il n'y a jamais eu de violence, tu vois. Il n'y a pas de violence. Franchement, je ne peux pas expliquer ça. Je pense que les organisateurs sont dégoûtés de quelque chose et ça fait qu'ils ne font pas de son, ils n'organisent pas. Il est vrai aussi que moi, ben, tu fais un son de système, mais bon, tu te retrouves à dépenser plus. Plus qui rentre. Voilà, voilà. Il n'y a rien qui rentre. Donc ça va être plus un problème d'argent alors. Ça peut être ça. Okay. Ça peut être ça. Il y a peut-être d'autres trucs, mais bon, voilà, quoi, je préfère me tirer dessus. Ok, ok. Sinon, si tu as un message à faire passer aux internautes? Ben, comme tu disais, tu vois, on a un plateau très fourni en Martinique, tu vois. Et en passant, je big up justement les artistes martiniquais, tu vois, tels que Martinda, Stanka, Yannissou Douba, Fai, Martikina, Lieutenant, Sahel, Pin, Nyala, toute la bonne, tu vois. Mm. Et parce qu'ils font un travail réel, on fait un travail réel pour vous, Massim. Et je pense que vous êtes conscient de ça, tu vois. Franchement, je pense que vous êtes conscient de ça. Donc, le truc, c'est continuer à nous force, quoi. Ouais. Paladier nous, parce que nous-mêmes, nous paladier les autres. Imaginez qu'un jour, nous pas fait musique. Ouais. Nous pas fait musique, nous pas fait son, pour faire notre plaisir. Ouais. Imaginez que ça. Imaginez un moment que vous avez des oies, vous êtes con, vous êtes pas attendu à rien. Restez con pendant 30 minutes, monsieur, vous n'êtes pas. C'est même belle, là. Si nous arrêtons de faire musique, ben, c'est un monde de silence. Ouais. Donc, bah, nous force ça pour nous continuer à faire l'album, faire notre plaisir, avec vous autres même. Fais-nous plaisir, quoi. C'est le même, on te dit. Et moi, j'ai juste dit en chantant, quoi. Moi, dit Martinique, arrêtez, big up, bagaille les autres. Samouni, nous, bon, car ils ont mis un check à les autres.
comment c'est pas pays autres pour soulier battre les autres force pas produire autres pour soulier rentrer les autres boss ça qui vivre en pays et puis attitude monde qui dégoûté au que Martinique pas qu'il y a en pied d'autre côté ça qui douté c'est l'est qu'ils ont trouvé ces bici à nous pas sans sécurité au que ni braquer ni craquer ni bacoumer ni sous serre tout côté ça pas aimer en loi Martinique ça capoté normal que pour nous bon peuple tout monde en peut sauter parole la raide mais c'est vérité comme ça avec tout ça qui choqué c'est seulement des montrer pour débloquer l'esprit qui est bloqué mais un autre bagaille artiste pays qui travaille pour présenter ça qui crache en nous artiste que les autres côté et dis choqué ou qu'a dit choqué alors dis-moi c'est quoi qui monte en pays même nous passer côté appelle nous foutre les camps ça détourne que nous que péter notre côté les médias qui viennent flatter nous capable dire que nous belle célébrité mais ni longtemps nous célébrer pays yo pas nous prendre notoriété après style j'ai pas lâché ça qui fait prendre patché alors matinité arrêtez big up bagarre les autres c'est là ça pas casse pas ce pure là vraiment valide le mot de la fin ben le mot de la fin ben c'est comme nous même nous pas mêler. Donc, j'envoie un gros big up à ceux qui ne sont pas mêlés. On doit voir une review big up, ok? Boka et son big up, ok? Donc, Tchébé, bon courage, parce que c'est même un cas pour un travail sérieux, avec mon conscient de ça, avec l'internet, la conscient de ça. Et là, c'est dans ces dates, à cause de voice populaire.